Apprendre l'anglais facilement et rapidement et avec des natifs. Eh bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je vais donc te présenter une plateforme qui se nomme Cambly, qui devient de plus en plus connue et qui te permet d'apprendre l'anglais. Et la plateforme comptabilise aujourd'hui plus de 10 millions d'utilisateurs. 10 millions d'utilisateurs, c'est juste énorme. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la plateforme Cambly il y a plusieurs années. Je ne sais pas du tout si tu t'en rappelles. Et franchement, depuis ces dernières années, elle a vraiment bien évolué. C'est ce qu'on va voir juste après. Cambly te permet de prendre des cours en visio avec des tuteurs dont l'anglais est la langue maternelle. Ce sont donc des natifs et il s'agit d'un point très important. Tu vas retrouver des tuteurs qui sont anglais, des américains, des canadiens et bien plus, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que tu vas pouvoir choisir sur la plateforme et eh bien des tuteurs en fonction forcément de ce que tu souhaites. Tu vas même pouvoir les catégoriser, c'est à dire que tu vas pouvoir faire une recherche, tu veux quelqu'un d'un petit peu drôle ou quelqu'un un petit peu plus cultivé. Petite parenthèse qui risque de te faire assez plaisir, souvent vous me le demandez, si tu cliques sur le lien qui est dans la description de cette vidéo et uniquement par contre sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, tu auras donc 15 minutes offertes, et ça c'est vraiment un très bon point, ça te permettra donc de tester la plateforme et de faire un appel visio avec un tuteur qui est natif, qui te permettra d'avoir déjà un petit échange, un petit aperçu de la plateforme. Donc 15 minutes offertes, et en plus de ça, si tu souhaites donc prendre un abonnement de 12 mois, tu auras 50% de réduction, ce qui est juste énorme et c'est très attractif en tout cas et bien en termes de rapport qui a été pris sur ta première année. Enfin bref, j'arrête de blablater et c'est parti pour les caractéristiques de la plateforme Cambly, et par la suite bien entendu on se retrouvera pour la phase test. Quand tu vas voir les tuteurs en live, ils ont un profil avec leur expérience, une vidéo de présentation, et c'est vraiment bien parce que forcément si ton tuteur est un américain, il aura forcément le petit côté avec l'accent américain. En fait ça va vraiment dépendre aussi de ce que tu recherches, ou bien un irlandais imaginons, ou bien un britannique, ou bien un australien, et tu vas voir qu'il y aura différents types de prononciations qui seront différentes, et ça je trouve que c'est vraiment un bon point parce qu'en fait tu vas pouvoir vraiment prendre le tuteur qui va te convenir. Voilà, la plateforme s'adapte vraiment en fonction de toi et de ce que tu recherches. Il y aura même en fonction des tuteurs, il y en a qui seront spécialisés dans un domaine, la science, le marketing, le médical, et ça c'est bien. Imaginons tu fais des études, tu as des exercices où tu aimerais vraiment te spécialiser dans un domaine et avoir le vocabulaire dans ce domaine là, et bien il n'y aura aucun souci derrière parce que tu vas pouvoir vraiment échanger avec quelqu'un qui s'y connaît bien et qui pourra t'aider là-dessus. Alors les tuteurs peuvent aussi t'aider à bien préparer un examen. On va retrouver le TOEFL par exemple, ou bien le TOEIC, qui sont des examens très connus. Tu vas pouvoir aussi préparer un entretien d'embauche, parler l'anglais dans un milieu professionnel, la prononciation ou des exercices en anglais. Les leçons peuvent durer donc 15, 30 ou alors 60 minutes. Franchement, ce qui je trouve est un très bon point sur la plateforme parce que ça va vraiment dépendre de toi, bien entendu de ton emploi du temps, ce que je t'ai dit juste avant. Alors tu peux aussi, si tu le souhaites, directement depuis la plateforme enregistrer tes conversations. C'est ce que j'ai fait lors de mon précédent appel. Tu enregistres la conversation et tu peux la télécharger en vidéo. Et ça, je trouve aussi que c'est une bonne chose, puisque tu vas pouvoir, si jamais tu as une conversation intéressante sur un sujet ou que la personne t'a expliqué quelque chose et que tu t'en rappelles plus exactement parce que au bout de 30, au bout de 60 minutes, tu travailles bien sur les sujets, mais que tu peux, imaginons, oublier certaines choses, et bien là, tu vas pouvoir retourner en fait sur la plateforme Cambly et retrouver ton enregistrement et réécouter en fait la vidéo en question. Donc là aussi c'est bien parce qu'il y a une traçabilité en fait, si tu veux, de tes appels, et tu vas pouvoir retravailler tout ça. Et maintenant on se retrouve donc tout de suite pour la phase test. Et on se retrouve donc sur leur plateforme web, bien entendu le lien est dans la description de cette vidéo. Apprenez l'anglais en ligne avec nos professeurs particuliers, parlez couramment anglais grâce à des cours particuliers en ligne adaptés à vos objectifs. Donc vraiment tu vas voir, voilà, c'est super bien fait. On aura d'ailleurs tout en bas, voilà, ici la disponibilité bien entendu sur l'Apple Store et sur Google Play. Donc globalement, même si tu voyages, même si tu es en déplacement, tu vas pouvoir toujours continuer à utiliser la plateforme Cambly. Alors quand on est connecté, donc vraiment tu vas voir l'interface reste très simple, et ici en fait tu auras un petit peu le dashboard où tu vas pouvoir voir ici un petit peu tous les tuteurs qui sont actuellement disponibles. Il y a un petit carré vert, ce qui veut dire que le tuteur en question est disponible, et donc c'est vrai que ça c'est pas mal. Et comme tu peux le voir, on va voir plusieurs informations
concernant le tuteur, un petit peu sa provenance, donc ici England, United Kingdom, United States, donc ça dépend aussi de ce que tu recherches. On va pouvoir aussi d'ailleurs catégoriser un petit peu ses professeurs, accent du tuteur, ce que je te parlais à l'instant, niveau de la leçon, personnalité du tuteur, donc par exemple si je clique dessus, gentil et patient, amusant et sociable, érudit et cultivé, donc si tu souhaites quelqu'un un peu plus cultivé, donc là il y aura peut-être du vocabulaire un petit peu plus poussé. D'ailleurs, ce qu'on va faire, on va aller dans cours, parce que professeur, en fait, ça revient au lieu où tu vas avoir tous les tuteurs qui sont actuellement disponibles. Donc ici, on va avoir des cours, les bases de la maîtrise de l'anglais. Donc là, tu peux directement commencer avec des cours, imaginons débutant, 10 leçons, et là, tu vas commencer avec des cours, et ça, c'est vrai que c'est une bonne chose, pas besoin en tout cas de démarrer au tout début en visio. On va dans progression. Tu peux voir par exemple ici, moi j'ai fait 3 tuteurs rencontrés et donc ici j'ai la vidéo avec Christine d'ailleurs qui date un peu parce que c'était le 17 mars 2019, je t'avais présenté la plateforme et bien à ce moment là et en fait je peux regarder la vidéo. Donc t'imagines, la vidéo est sortie, enfin en tout cas on a eu notre appel il y a plusieurs années, l'appel a duré d'ailleurs 36 minutes. Hello. Alors attends, je vais baisser un peu. Hi, how are you? Et je peux revisionner, bien entendu, les appels puisqu'ils sont enregistrés. Donc voilà, donc là super sympa. Je peux bien entendu aussi, si je souhaite, la télécharger ou changer la vitesse de lecture, mais je peux la télécharger. Donc ça c'est bien. Maintenant nous allons donc appeler un tuteur. Alors juste avant je voulais te montrer il est possible de mettre en favori un tuteur si jamais t'as un bon feeling, donc ça c'est bien. Il est aussi possible quand on regarde tout en haut en fait d'avoir une conversation avec des tuteurs, donc ça c'est bien, il y a un historique aussi. Et on va voir aussi par exemple ici Candice, elle a 5 étoiles sur 5, donc elle a le statut de super prof Afrique du Sud, donc là aussi ça peut être quelque chose de très très intéressant. Et on va voir ce système de notation bien sûr, savoir aussi s'ils sont assez qualifiés pour t'aider, par exemple si tu souhaites passer le TOEFL, certains examens. Donc globalement on va avoir toutes les informations et si tu souhaites avoir un peu plus d'informations sur un tuteur, suffit de cliquer sur le profil et tu vas accéder à plus d'informations. Écoute, c'est parti, let's go. Hello. How are you? I'm well, thank you. How are you? Thanks for calling. Thank you. So I'm very happy to do this call with you. Mm-hmm. Thank you very much. It's my pleasure. Thank you. So your name is Jillian? Jillian, yes. Jillian? Yes. Okay. My name is Jillian. And your name is Christopher? Yeah. Great. Yeah, it's Christopher. Nice to meet you, Christopher. Yeah, me too, thank you. So I have seen your profile on Cambly, and they talk a little bit in French, because you can talk in French. So, or are you just going to speak in English, or help maybe a little bit in French? So it's kind of however the student is most comfortable. My first goal is just to help people feel at ease and confident. Because in my own personal experience with living abroad and immersion, it can be very intimidating sometimes. Yeah. So in my experience, if there's a real struggle or, someone's very frustrated by moving forward in what they want to say, of course, I bring in my French. Other times, we try to have the conversation as much as possible in English, but I don't have any strict rules. Okay, yes, it's really cool. Here we have this screen share. Absolutely not, it's how we learn. Here's a screen share, so I'll just say maps, and we'll go together to Google Maps. Okay, you can, yeah, so I thought it was only a screenshot, but you can't, doing on live your screen and share it to me, so okay, yeah. Wow. So here we go. Can you see it large enough there? Yeah, so perfect. Here I am, and you're here. Not far. Yeah, and you lived so from you are from near Los Angeles. Yeah, I am. So let's go for it. Let's travel the world. I originally, it started with my parents. My mother is from Portugal, and my dad is from Brazil. Okay. I'm from Los Angeles though, so I'm from here. We go, and then I first went to college in New York City. Then here we go, New York, right? And then I went to university in London. Did at London?
Yeah, I studied in London. In, the, yeah. in London. In okay. London, yes. I was a student in design. And that's how I got to know Paris for the first time. It was my internship year. So mon stage. J'ai fait mon stage okay. à Paris. So yes, if I do have any kind of slightly international way of pronouncing things, it is a reflection of my international background. But that is okay. the right, that's the right oh. translation. Yeah. Okay. Yeah. Car boot sale. Okay. How about that? You know what we can do? I'm gonna let's go back to the map and let's type it in. A car boot sale. This is another way we can use just like that. There you go, a car boot sale. Boom. No hyphen. Oh, okay. Yes. So okay. So there you go. People selling stuff oh. out the back of their trunks. Yeah, it's fat. ah, yeah. Now I understand with the photo because you can see the boot. Yeah. How do you say it? Boot. The boot. Yeah, like a okay. same thing. I'm like des bottes. It's okay. the same word. And talking here, it's really interesting because I can talk in English because in France, here I don't really speak in English. and it's I think the best way you know to learn is just you know talk. In the language with someone who can talk this language or go in the country and, you know, travel. Yeah. And it will be very hard in the beginning, but I think when you practice, you will have some good results, I can yes. say. Yeah, results. You'll have good results. One little thing before we run out of time, yes. just some good news for you when you said I don't have a lot of vocabulary. Au contraire, because actually we have over 1,000, almost 1,700 shared words, so French words in the English language. So you okay. already know over 1,000 words in English. Okay. Just by knowing French. Et une fois qu'on a fini l'appel, donc en fait après on va noter tout simplement la personne. Parfait, qu'est-ce qui vous a plu? Chaleureux, parfait pour les élèves de niveau débutant, parfait pour les élèves de niveau avancé, bonne écoute, etc. Donc imaginons bonne écoute, je valide et c'est super. Je suis donc très content de pouvoir te présenter aujourd'hui cette plateforme. Je trouve personnellement qu'elle est vraiment très simple d'utilisation et qu'en plus de ça tu vas pouvoir aussi choisir tes tuteurs en fonction de tes disponibilités. Tu peux prendre par exemple un Australien, un Américain, un Britannique, un Irlandais par exemple. Enfin il y a vraiment du choix et tout ça c'est vraiment je trouve dans une bonne atmosphère. Moi en tout cas de mon côté à chaque fois ça s'est super bien passé. Concernant les tarifs de la plateforme Cambly pour apprendre l'anglais, eh bien c'est vraiment pas compliqué, tu vas pouvoir personnaliser en fait si tu veux un petit peu ton abonnement entre guillemets, c'est à dire que tu vas pouvoir choisir le nombre de minutes que tu souhaites. Alors comme je te l'ai dit, on va avoir du 15 minutes, du 30 minutes ou du 60 minutes. Bien entendu tu peux rechanger ça hein, si tu souhaites. Imaginons que tu commences avec du 15 minutes et que tu dis bon par la suite allez peut-être 30 minutes ça sera un peu plus sympa pour moi, tu pourras rechanger ça sur la plateforme. Mais imaginons là je choisis du 30 minutes, alors tu vas pouvoir aussi choisir la fréquence, bah combien de fois par semaine. Est-ce que par exemple tu souhaites prendre ici du 30 minutes une fois par semaine ou alors 2 jours par semaine, 3 jours par semaine, 5 jours par semaine? Donc là imaginons je vais prendre 2 jours par semaine, moi c'est ce que je recommande de faire en tout cas au début 2 jours par semaine de 30 minutes. Regarde ici, tu vas pouvoir payer en mensuel, donc tous les mois, ou alors en trimestriel, donc tous les 3 mois ça va se renouveler, ou alors en annuel. Et si je clique sur annuel, comme tu peux le voir, il y a moins 50% de réduction si jamais tu cliques sur le lien et uniquement sur le lien qui est dans la description de cette vidéo qui te permettra globalement de te retrouver. Bah, par exemple ici si tu souhaites faire 2 jours par semaine pour une séance de 30 minutes, tu vas te retrouver pour un tarif sur la première année de 62 euros par mois. Franchement, le rapport qualité-prix, il est hyper intéressant, surtout forcément avec le code promo que je suis en train de te donner. N'hésite vraiment pas aussi à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires, si tu as testé la plateforme et si tu en es satisfait ou pas. Bon, merci les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi? Continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer.